Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à la fin de notre programme de prière matinale pour ce projet de conquête de la Gautière pour Christ. Nous voulons passer un temps à rendre grâce à Dieu pour sa fidélité qu'il nous a témoignée depuis l'initiation de ce programme et dans tout son déroulement. Mais avant, avec Dr Koulibaly, nous voulons écouter une exhortation. Merci, frère Francis. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, du verset 12 au verset 14. Je lis. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour cette assurance qu'il nous donne au travers de sa parole déjà. Père, merci pour ta fidélité. C'est toi en fait qui fais ton travail. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Merci pour cette assurance que tu nous donnes, que tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, par rapport à ce vaste programme, Seigneur, tu l'as accompli. Et Seigneur, nous ne ferons que regarder et t'exprimer notre gratitude. Honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Ce texte, il est riche en enseignement. Le Seigneur nous l'a dit. Tout ce que lui l'a fait, il nous donne le pouvoir, nous qui croyons en lui, non seulement de le faire, mais d'aller au-delà de ce qu'il a fait. Il nous donne l'assurance que tout ce que nous lui demandons, nous l'avons reçu. Cette évangélisation qui concerne la base, la côtière de la Côte d'Ivoire, durant les 28 jours écoulés, nous avons vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels nous nous sommes appuyés pour prier. Et cela, nous avons l'assurance que c'est accompli parce que ce n'est pas avec de la force humaine, encore moins avec l'intelligence des hommes, mais tout simplement sur la base des promesses du Seigneur éternel. Et nous croyons que, avant même que nous n'entrions dans la phase active, le Seigneur a déjà tout fait. Le Seigneur a déjà tout aplani. Le Seigneur a déjà brisé tous les autels. Le Seigneur a accordé sa grâce et sa bénédiction à toute la côtière de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a déjà préparé les cœurs. Le Seigneur a déjà ouvert les oreilles. Le Seigneur a déjà tout disposé. Bien-aimés frères et sœurs, sur la base de ces promesses du Seigneur, je voudrais nous encourager à continuer de prier, mais surtout à aller avec l'assurance que nous avons déjà gagné des âmes pour le Seigneur. Que sa parole soit éternellement bénie et que cette campagne d'évangélisation soit un moment pour lui de glorifier son nom en Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Merci, Dr Koulibaly. David va nous donner un cantique pour nous disposer ensemble à rendre grâce à Dieu. À la foi, notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rend plus que vainqueurs.
Nous avons invoqué notre Dieu durant ces 28 jours sur beaucoup de sujets portant sur l'Église, portant sur toute cette zone. Et nous croyons, comme il nous l'a promis, il dit que tout ce que nous allons demander, il va le faire. Parce que son objectif, c'est que le Père soit glorifié. Et c'est pourquoi, ensemble, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que l'Église a honoré cette parole du Seigneur qui dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et par la grâce du Seigneur, ce programme de jeûne et prière a permis à l'Église d'honorer cette parole. De prier le maître de la moisson pour qu'il suscite des ouvriers, il suscite des hommes et des femmes, il suscite son Église pour que son Église se mette à la tâche. Cette parole a été honorée. Nous voulons ensemble dire merci au Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est toi le maître de la moisson. Nous sommes des privilégiés en tant qu'associés à toi et pour cette œuvre. Tu nous as enseigné, tu nous as instruit. Tu pourrais, Seigneur Dieu, te passer de nous. Que la moisson pourrais, commence Seigneur par la Dieu, prière. Le faire avec d'autres personnes. Et Seigneur, Père, c'est toi qui as donné cette intelligence si et cette sagesse ton à ton regard, Église. Seigneur, parce qu'à nous, église, il a été donné de connaître les mystères du royaume de des cieux. C'est parce que Seigneur, en merci veux parce que cette église soit richement bénie. Tu as honneur suscité, te soit rendu pour ce fait. Tu as motivé, merci tu as inspiré. Seigneur Jésus, parce que Père, et sachant de toi le Dieu qui conçoit et qui exécute ta volonté parfaite. Seigneur, Seigneur qui est de ce programme a été mis sur pied. Seigneur Dieu, à toute la zone. Parce que ton église a compris. Pour que la Seigneur, côtière, pour moissonner, il faut commencer peuple, par la prière. Tu aimes ses enfants. Et par ta grâce, Israël, la prière n'a pas été outrepassée. Sinon, n'a pas été, elle n'a pas été mise à l'écart. Et en tant que bon berger, mais tu nous as donné d'observer aussi, Seigneur, cette prescription. Que troupeau, tu nous as donné d'honorer cette parole. De te sans prier, toi le maître de la merci. Moisson, de toute merci cette zone. Ô oh Dieu de la côtière de la Côte d'Ivoire, merci pour nous voulons Seigneur te rendre toute la gloire. Merci pour nous voulons te bénir Côte d'Ivoire, et nous voulons t'exalter dans le merci nom de Jésus-Christ. Jésus. Pour ce que Seigneur, Amen. Tu l'as fait ainsi. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour la mobilisation des uns et des autres et l'engagement suscité dans les cœurs. Comme nous le savons, notre église est une église missionnaire. Et si Dieu nous associe à cette œuvre de la conquête de la côtière pour Christ, il est aussi dans son élan de mobiliser toute son église. Et par ce temps de prière durant ces 28 jours, nous avons vu une église debout. Une église qui a soif de voir l'évangile atteindre les extrémités de la terre, atteindre la côtière. Et c'est pourquoi nous voulons bénir le Seigneur pour cette mobilisation et ces engagements qui se suscitent déjà dans les cœurs et dans les vies et qui fait que l'église se lève aujourd'hui pour cette zone. Nous voulons dis merci à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Père céleste, c'est toi Seigneur qui notre Dieu, le vouloir et le faire. Tu as suscité Père si le cœur des rois est un courant d'eau dans tes mains, tu l'inclines partout où tu veux. Seigneur Dieu, cette envie d'aller porter il n'est ta parole un autre cœur au peuple de que la tu ne peux incliner ivoirienne. Nous nous réjouissons de ce j'ai que aussi, Seigneur, Seigneur Dieu suscité dans les mêmes cœurs. Tu as incliné le cœur de ton l'envie, église, Seigneur, de le faire et partager ton fardeau pour Seigneur, cette zone. Disposition pour le faire.
et l'engagement, partager, Seigneur, Dieu, comme tu l'as dit à Moïse, parce que c'est un privilège. J'ai vu la souffrance pour nous, Seigneur, de mon peuple associé, Seigneur Dieu, à ton œuvre. J'ai vu dans quelles conditions, dans quel état exprimer toute notre gratitude. Il est, Seigneur, pour cette et je suis descendu vers lui pour le délivrer. Que nous voyons dans nos églises, dans et Seigneur, tu as vu communautés, Seigneur, qui se sont unies la comme côtière. Une seule personne pour porter. Et tu n'as pas Seigneur, voulu aller seul. Des peuples de la côtière. Et tu t'es choisi Seigneur, ton église Dieu, devant ton trône. Nous voulons, oh, Père, Seigneur, oh Dieu, t'exprimer pour notre aller gratitude de notre reconnaissance et délivrer pour nos bien cette zone Seigneur, de sa souffrance, dans tous les amours délivrer de la Côte d'Ivoire, cette zone, Seigneur, Dieu, Seigneur se unis, de sa captivité, Père, délivrer Père, cette zone, Seigneur Tout-Puissant, pour préparer, Seigneur, cette grande moisson. Et voici, oui, Seigneur, le temps dont tu temps nous as donné, arrivé, Seigneur, et de nous lever. Que Dieu d'Israël, toi qui as produit à nous ce vouloir et ce faire. Nous voulons te rendre réjouis, grâce, Seigneur, de la nous voulons te célébrer de ta et nous voulons t'exalter dans merci, le nom Père, puissant de Jésus-Christ que de Nazareth. Ton nom soit béni, au nom merci, de notre Dieu. De Nazareth, nous t'avons à prié. Toi la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Le frère David va nous conduire aussi dans un cantique, toujours dans cet élan d'action de grâce. Donnons toute la gloire à notre Dieu. Lui qui nous associe à son œuvre. Oh mon âme, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Vois la bonté de Jésus. Oui, la bonté de Jésus brille sur cette zone. Et sur le toit de dans Psaume chapitre 2, je lis les versets 7 à 8 qui dit ceci. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous avons demandé Songon en héritage. Nous avons demandé Grand Lao, Fresco, Sassandra, San Pedro, Grand Beribi, Tabou. Toutes ces zones en héritage durant ces temps de jeûne et prière. Nous avons la promesse que si nous lui demandons, il va nous donner ces nations pour héritage et même les extrémités de la terre. Ensemble, nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que nous croyons qu'il nous a donné toutes ces zones. Pour sa gloire, au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Merci Seigneur, parce que Père, toute la création est à toi. Toutes les nations viendront et apporteront notre gloire à toi. Que tu nous donnes, Seigneur, tu tout ce que nous donné. Te demandons. Toi qui nous donnes l'assurance que tu nous as donné. Ce que nous t'avons Grand demandé, là où tu nous Seigneur, as donné d'Abou, tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, toute la Fresco, bande côtière Tabou, toute de la cette bande, Seigneur, nous te l'avons demandé. Nous t'avons demandé en héritage pour que cette pour zone que, te revienne, Seigneur, ton empreinte y soit. Nous t'avons demandé en héritage, notre Dieu, bande côtière, pour que nous cette zone que soit Dieu aussi ta possession, que toi. Et nous croyons Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Que tu règnes, Seigneur Dieu, que sur Dieu, cette tu zone. Nous as donné la et zone. Seigneur, tu l'as fait.
Et c'est pourquoi nous que bénissons ton nom. C'est en cela que Père, parce que Seigneur, toute notre gratitude, tu nous as donné en héritage, Seigneur, toutes ces zones. Nous te bénissons, notre Dieu. Parce que tu nous donnes en possession cette zone. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Tout comme le monde entier à toi, Seigneur. Qui attire les âmes à toi. C'est toi qui, Seigneur, prends le contrôle des peuples, des langues, des nations. C'est toi, Seigneur. Nous te célébrons. Merci parce que tu es. Et nous te magnifions. Parce que tu nous as donné, Seigneur, chacune de ces villes, chacun, Seigneur, de ces villages, chacun, Seigneur Dieu, de ces campements, chacune des âmes, Seigneur, qui s'y trouvent, Seigneur, nous les avons réclamées pour toi, nous les avons demandées pour toi, et Seigneur, nous croyons que Dieu, tu en prends effectivement possession. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Merci pour la. Et c'est pourquoi nous te rendons toute la gloire, pour la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci notre Dieu, notre Père. Nous voulons dire aussi merci à Dieu. Merci à Dieu de ce que, comme la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est une grâce. Et la Bible déclare que cette grâce ne doit pas être vaine. Elle ne doit pas être vaine. Bénissons le Seigneur de ce que la mobilisation qui est en train d'être faite au niveau de l'Église, cet engagement qui est en train d'être fait, les uns les autres, par la grâce du Seigneur, à travers tous ces programmes, réalise que nous sommes ouvriers avec Dieu, que nous devons nous mettre à la tâche et que c'est l'heure. Cette prise de conscience se réveille, si on pourrait le dire ainsi, que Dieu est en train de souffler sur son Église. Nous voulons bénir son nom parce que cela est son œuvre et c'est ce qu'il accomplit au nom de Jésus. Amen. Père céleste, Père, toi qui es assis sur ton trône de gloire, et c'est toi qui diriges, Seigneur Dieu, la vie des individus. L'œuvre que tu es en train de réaliser des nations dans ton Église, Seigneur, et par ton Église, dans la vie de l'Église SEMA de Seigneur, Côte d'Ivoire, nous en sommes témoins. Seigneur Dieu, de mettre. Nous te célébrons et nous t'exaltons, pour Seigneur, aller vers les peuples de la côtière. De ce que Dieu, et Seigneur, tu as suscité des ouvriers. Tes enfants, tu as suscité, Dieu, des ouvrières. Ne se sont point soustraits, Seigneur, Seigneur, à ton nous ordre, te bénissons cette dans le nom de Jésus-Christ. Pour toi tout qui le nous mois pousse de novembre, Seigneur, va se faire à ta avec moisson, tes tu nous pousses tes à ton œuvre. Seigneur, nous du te bénissons du plus petit au plus de ce grand, que, Seigneur, Seigneur, femme ton Église comme homme, se lève. Ton Église, en apportant, oh Dieu, de tous ses moyens, aller, en apportant, oh Dieu, Seigneur, de tous ses finances, en apportant de tout son matériel et tout ce qu'il faut, les uns et les autres ont compris, Seigneur, pour ton nom, les moyens, nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Pour merci, parce que une Seigneur, totale, tu as mis dans les cœurs que les uns les autres se lèvent à tous les niveaux, tu Seigneur, pour la conquête des âmes et pour la conquête, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, de cette zone. Tu renouvelles, nous Seigneur, te rendons la gloire la vie de tes parce que tu produis des miracles. Nous te rendons la gloire parce que chacun s'associe à sa manière. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, béni soit ton nom. De ce que, Seigneur, nous nous levons ensemble comme un seul homme, au-delà, Père, de notre pour accomplir pour cette œuvre. Merci, Seigneur, notre Dieu. Toi, tu es venu. À toi la gloire. Apporté, Seigneur Dieu, à toi la louange. À toi la célébration. Aussi aller pour béni sois-tu, Seigneur, afin que la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Amen, notre Dieu. Amen. Nous voulons, avec David, entonner un dernier cantique, toujours pour rendre grâce à Dieu.
Avec le frère Koulibaly, nous allons clore ce temps de prière. Honneur et gloire te soient rendus, notre bon Père. Toi qui es vivant au siècle des siècles, à qui on n'a pas besoin de montrer, à qui on n'a pas besoin de parler, à qui on n'a pas, Seigneur, besoin de dire quoi que ce soit. Parce qu'omniscient, omnipotent et omniprésent, tu sais toutes choses. Dès avant la fondation du monde, tu avais décidé que le mois de novembre 2022 serait le mois où tu allais visiter de manière particulière la côtière de la Côte d'Ivoire. Et en cela, Père, tu t'es choisi un instrument. Et cet instrument n'est autre que l'église SEMA de la Côte d'Ivoire. Seigneur, tu as suscité cela et tu as remis, Seigneur, toutes choses entre les mains de tes serviteurs et de tes servantes. Tu leur as donné, Seigneur Dieu, tout pouvoir d'aller et, Seigneur, de gagner des âmes pour toi. Seigneur, tes serviteurs et tes servantes ne se sont pas soustraits à cette mission. Ils ont pris le temps de prier. Ils ont réuni les moyens. Ils se sont disposés. Et, Seigneur Dieu, nous croyons que tu nous as devancés sur le terrain et que tu as déjà accompli ton œuvre. Seigneur, nous partons. Ne sommes que des canaux par lesquels tu passeras, Seigneur, pour glaner ça et là. Nous croyons que, Père, tu as déjà plané tous les sentiers. Honneur et gloire te soient rendus. Merci pour cette inspiration, Seigneur, que tu as donnée à ton serviteur, le président de l'église SEMA de Côte d'Ivoire. Seigneur, qu'il a partagé avec ses collaborateurs et avec toute la communauté. Cette forte communauté, Seigneur Dieu, s'est mise en rang de bataille. Et Seigneur, nous croyons que tu l'as fait. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue. Que Seigneur Dieu, tu sois réjoui de la disposition, de la disponibilité de ton Église qui a accepté de se laisser utiliser par toi pour atteindre ton objectif. Nous voulons que, Père, la gloire revienne à toi et à toi seul. Et non, Seigneur, à une quelconque personne dans cette grande moisson que tu vas opérer au sein de la bande côtière de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce temps de prière qui prend fin aujourd'hui. Merci pour l'exaucement que tu nous as donné. Merci pour les grandes bénédictions qui sont notre partage maintenant. À toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.